Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Amis sportifs à tout bateau, bonjour, bonsoir, c'est avec un plaisir de nous retrouver. Nous l'autre fois encore pour la présentation Alter Sport, c'est Jonas Pono, qui passe à 6h30, 17h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Je vous dis, l'actualité sportive là sur le national football vers le premier match de la Ligue B des Nations de la CONCACAF. Ceci 4 pour le 11 juin prochain, sélectionneur national là. Jean-Jacques Pierre convoqué au liste 23 juin a signalé retour des anciens comme Johnny Placide, Franzi Pierrot, Arcus Callens et Jonel Désiré. Moulette Athletic Club Guatemala House de la Jamaïque à 5h. Cibao FC Atletico Vega Real de la République Dominicaine à 8h PM. C'est affiche demi-finale ce jeudi dans la Ligue Club Champion Caraïbe qui a déroulé à Santiago. Vers la reconstitution de la direction technique nationale, l'Hispano-Argentin Gabriel Calderon Pellegrino chevet du football haïtien. Basketball 3 contre 3 dans l'occasion fête drapeau avec l'Université A. Il y a un tournoi qui était déroulé sur terrain campus Université Christéa le mercredi 18 mai. À l'étranger tennis, un tournoi de Roland-Garros sorti 22 mai pour 5 juin. Budget pour participants, c'est 43,6 millions d'euros à Nissa. L'Oréal a recevoir 2,2 millions d'euros. Cyclisme Tour d'Italie, italien Alberto Dainese remporté 11e étape là au sprint. Basketball NBA, finale de conférence, Miami a mené 1-0 sous Boston, deuxième game, jeudi soir à 8h30. Traditionnelle loterie de la draft le 23 juin, c'est Orlando qui a bien premier choix, ensuite Oklahoma City. Football accord trouvé aux États-Unis pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et puis Europa League, Eintracht Frankfurt champion sous Glasgow Rangers, Allemagne a gagné 9 finales. 5-4-4-1-1 après prolongation.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportif, là d'abord sous plan national, en perspective, 4 premières rencontres, Ligue B des Nations, CONCACAF, qui va le fait, sorti 4 pour arriver 14 juin, qui sélectionné national, là. Jean-Jacques Pierre qui communiquait en liste de 23 joueurs, n'a signalé le retour de certains cadres, comme Placide Johnny, Akis Carlens, Franck Pierrot, Jonel Désiré, grand stage de préparation qui va le faire en République Dominicaine à partir du 24 mai. 23 convoqués, c'est trois gardiens, Placide Johnny, Bastia, deuxième division en France, Roger Diverger, Vitoria Setoubal, Portugal, Pierre-Alexandre Junior, RC Strasbourg, Ligue 1 en France. Défenseur, c'est Jean-Baptiste Andrew et Valo FC au Canada, mais tout cela, Gavin Miché, Foy FC au Canada, Meshack Jérôme, Indy Eleven, USL États-Unis, Karlin Sarkus, AJOXL, Ligue 2 en France, Alex Christian Junior, FC Taraz, Kazakhstan, Steven Séance, Paris 13, Atletico National 2 en France, Apollon Ashkanov, Hartford, Athletic USL, États-Unis, Adé Ricardo, SDA au CAS, Équateur, 5 milieux de terrain, OC Brian Asseus, Zira FK, Azerbaïdjan, Steven Saba, Violette, Athletic Club, Pierre Leverton, Dunkerque, Ligue 2 en France, Brian Chevreuil, Bourges en foot 18, National 2 en France, Calfred Sainte, New Mexico, USL, Etats-Unis, 6 attaquants, c'est Franck Pierrot en avant-Guingamp, Ligue 2 en France, Derek Etienne Junior, Columbus Crew, MLS Etats-Unis, Mandy Pounier, SCO1, National 2 en France, Simon Sen, GP, c'est Pau, Best Kidze, Bielko, Biala en Pologne, Antoine Carnegie, Casapi Athletic Portugal, et puis Jonel Désiré, Ouato en Arménie. 4 prochains matchs sélection nationale en Ligue B, CONCACAF, c'est samedi 4 juin, Bermude à recevoir Haïti, mardi 7 juin, Haïti à recevoir Montserrat en République Dominicaine, samedi 11 juin, Guyana à recevoir Haïti, et puis mardi 14 juin, Haïti à recevoir Guyana en République Dominicaine. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive la supranationale, en but pour reconstituer la direction technique nationale et le comité de normalisation Fédération Haïtienne Football là, qui fait choix du spécialiste hispano-argentin Gabriel Calderon Pellegrino. Âgé de 36 ans, M. Calderon y contribuait au sein de la FIFA pour faire analyse 57 fédérations déjà. Mission libre elle consistait à encadrer la direction technique nationale, aider le directeur technique national à organiser son staff, mettre en place de concert avec la direction technique nationale un programme de certification des entraîneurs pour les 6 prochains mois, effectuer la classification des entraîneurs avec un prérequis en première division, deuxième division, ligue, école de football ou football jeune, et puis conseiller la fédération dans tous les aspects footballistiques, toutes catégories confondues. Et puis, demi-finale, championnat des clubs champions de la Caraïbe Blanc, il va l'opposer jeudi, Waterhouse de la Jamaïque au Violette Athletic Club à 5h, puis Cibao FC, Atlético Vega Real de la République Dominicaine à 8h PM dans le Stadium Cibao. À l'issue de la phase de groupe, dans un club haïtien, Violette Athletic Club, il était fini en deuxième position dans le groupe A avec 3 points sur 6. Derrière Cibao FC, 4 points pour entrer dans la compétition. Vieux Tigla, il était tombé devant Cibao 3-0. Pour l'Enroni Atimio, tu vas renouer avec la victoire lors de deuxième sortie. Le débat jamaïcain, Cavalier SC, 3-2. L'équipe championne va décrocher Tikeli pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CONCACAF. La vice-championne va rejoindre la CONCACAF League, alors que l'équipe qui va classer 3e, elle va l'affronter Bahamon FC de Porto Rico pour une place dans la CONCACAF League. Rubens Prince-Aimé Itala, qui est directeur sportif Club Bleu Blanc, répondre question Alter Radio 106.1. Apprentissage en pile. D'abord, nous rendons compte que dans le sport de haut niveau aujourd'hui, nous avons confirmé que pas rien fait cadeau la dernière. Nous prenons compte que sur le plan athlétique, nous avons pile travail pour nous continuer à faire toujours parce que l'équipe haïtienne, en comparaison avec quatre autres, c'est nous-mêmes qui étions plus petits sur le plan athlétique.
que le tenant construction athlète là, c'est-à-dire que masse musculaire, nous capables de dire pratiquement problème de nutrition nous les déranger nous énormément. Maintenant sur le plan technique, moi pense que nous dans niveau compétition, Violette prouvé que le nous était concentré dans circulation, dans conservation, nous créer des occasions, nous capables de mettre l'adversaire en difficulté. Et ceci dans tous les deux matchs. Maintenant, nous étions pour nous continuer le travail et améliorer dans l'aspect mental, pour ne pas faire cadeau, pour ne pas perdre du ballon n'importe qui moment et n'importe qui côté. C'est dans la phase ça nous y est encore. Ensuite, il faut qu'on ne pas oublier que Violette est quand même sortie sur l'international là depuis 99-2000. Donc, nous gagnons un pile footballeur là. Si c'est vrai que nous gagnons là-dedans qui fait expérience internationale déjà, mais nous gagnons un pile là-dedans tout qui a fait premier voyage ou encore qui a joué premier match officiel sur le plan international. Donc, ça, bah, nous, quand même, on pile difficulté. Nous capables de dire ensemble de chiffres pour un match là, si bah, on est nettement supérieur nous, mais à la vérité, là, nous regarder match à chute en première mi-temps, nous t'es gagné possibilité non seulement pour nous scorer avant, mais en même temps tout pour nous faire une égalisation. Hein. Maintenant, en deuxième mi-temps, nous t'es gagné en pile difficulté dans rester dans match là. Nous prenons deuxième goal tout encore une fois contre le cours du jeu qui était dérangé nous. Maintenant, dans le deuxième match-là, encore une fois, nos petites négligences, nos petits manques de concentration fait que nous menons sur nous, mais nous avons gagné une capacité pour nous réagir. Et réagir bien, qui bat nous, un résultat positif qui fait nous être capables de gagner aspiration encore dans la compétition. Et pour le reste, l'équipe a continué le travail sur le plan disciplinaire. Tout va marcher très bien, administrativement, tout va marcher très bien. Il y a un peu de monde qui oublie que depuis presque un an, le football va jouer dans le pays. Il y a un peu de monde qui ne connaît pas que dans quelle situation que Violette prépare, en bas coup de balle, pas oublier que Violette loge, c'est dans la zone tabac là, nous et pratiquement local Violette là, côté monsieur habité, c'est dans fief, côté bataille en fait là. Pour nous sauver préparation, nous sommes obligés à le faire une dizaine de jours dans le choix des bouquins et bataille qui existait, que nous connaissons qui existait, guerre qui existait dans plein temps, nous obligé de sortir le plus vite que possible. Mais heureusement, nous avons quand même fait une dernière semaine nous, ici en République Dominicaine, mais malgré tout, nous n'avons pas réussi à jouer match. Donc nous jouons presque non mois et quelques jours. Le premier match, nous jouons match, c'était contre Sibaoua. Mais en gros, critique. Dans la compétition, technicien dans la compétition, ballon des notes qui est très favorable, compte tenu de la réalité, ça nous a parlé à là. Et encore une fois, nous vraiment voulons continuer à rêver, nous voulons rester dans la compétition, nous voulons continuer à avancer, parce que pour un pile monde, le club haïtien n'a pas de participer dans la compétition, mais encore une fois, nous avons des visionnaires dans la tête violette qui pensaient que même si le pays est en difficulté, il faut que quand même gagner des institutions qui continue à grandir. Donc, cadeau 104e année, ça, que nous avons quand même réussi by fanatique Violette-là, grand famille Violette-là, nous espérons que nous sommes capables de continuer à réitérer pour non seulement pour bien-être pays, mais pour nous-mêmes tout, pour institution. Donc, voilà. Vraiment, vous connaissez que c'est toujours un plaisir pour que nous communiquer, nous partager l'information que nous gagnons. Cette précision, Rubens Frensi Meitala, qui est directeur sportif Violette Athletic Club, n'a pas rappelé tout le résultat. Vendredi 13 mai, Atletico Vegarial te bat Dakar 2-1, Sibawa FC te bat Violette 3-0, Violette dans le dimanche 15 mai te bat Cavalier FC de la Jamaïque 3-2, et puis Waterhouse de la Jamaïque te bat Dakar FC 2-0. Mardi 17 mai, gain Sibawa FC qui te fait 3-3 avec Cavalier FC, et puis Atletico Vegarial te fait 0-0. Avec Waterhouse, ce classement final en groupe A, premier Sibawa FC 4 points qualifiés, deuxième Violette 3 points qualifiés, Cavalier FC 1 point éliminé. Groupe B, premier Waterhouse 4 points qualifiés pour les demi-finales, deuxième Atletico Vegarial 4 points qualifiés tout, troisième AKE FC 0 points éliminé. Tableau demi-finale, gagnant jeudi 19 mai 5h l'après-midi, Waterhouse Violette Athletic Club, et puis à 8h du soir, Sibawa FC contre Atletico Vegarial. Basketball 3 contre 3 pour nous clôturer l'actualité sportive là sous plan national dans l'occasion fête drapeau à l'université. Et commission nationale basketball 3 contre 3, le niveau fédération avec direction des affaires académiques université Kiskeya qui a organisé un tournoi sous terrain campus université. Jeudi mercredi 18 mai avec participation 8 équipes.
Nous t'y pose, là nous retournons nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Déficience yon moun, kit li fizik ou sinon entelektiel, patat wè servi barye ak epanouisman li. Nou chak inik, nou gen personalite, talan ak kompetans ki ka fè fiyete tout kominote moun. Pou yon lot fwa anko, Athlete Special Olympics yo ap pare pou fè fiyete nou. Oui, yo ap prepare pou flote drapo nou byen wò, pou ran fami yo ak antouraj yo fye. Special Olympics jwet Etazini yo a fèt soti 5 pou rive 12 jen ki ap veni la. Atlet nou yo bezwen nou. Rejwen Fondasyon Digicel nan ede yo. Ki jon ka fè sa? Ebyen, souteni yo a travè nimeyo mon kaj sa. 3687 1299. Gro kou piti, yo konte sou. Depi kek l'anè, la justice dans le pays d'Haïti a mal fonctionné pour diverses raisons. Ça la cause en pile monde pas qu'à une justice. Pourtant, selon la loi, tout le monde sans distinction bien droit pour la justice tande yo dans un délai raisonnable. Faut que tribunal là compétent, indépendant, faut qu'il pas gain force côté pour capable décider rapide sous fondement ça yo reproché moun nan si c'est dans domaine pénal ou soit déterminer droit à obligation moun lan dans tout l'autre domaine. Et fòk jijman yo piblik. Tout moun yo akize de yon kontravensyon, yon deli ou swa yon krim, se yon prezime inosan jiska ske yon tribunal ta di li koupab. E anvan yon moun pase devan yon tribunal, li dwe konen an detay tout sa yo reproche li. Se dwa nou tout pou nou jwenn avoka gratis ti chéri si mwayen nou pa pèmèt nou. E pi, se tout dwa nou pou nou patisipe nan jijman. Pose témoin ou bien expert yo question, rele témoin pa nou ou soit exige avi l'autre expert par rapport ak sa tribunal la te déjà présenté. Pour nous ka jwenn justice, se fonctionnement la justice ak niveau respect droit garanti judiciaire nan yon pays ki pou di nou ki jan sante démocratie a ye nan pays sa. C'était yon message RNDDH ak Sipo Avocats sans frontières Canada. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Oh, Jad, son gen, ki an figou krasé kon sa? Ou pa vin nan studio ak figi sa, non papa? Ah, mon chè, nan te mwen yi di yon msot la. Ou kontre mwen basse mdap wou. Ah, bon? Ki yi di? E ba yi di petit Max la? Sa msye te gen? Mon chè, ou konen msye te nan fimen drog? Alge tout goumen paran ou goumen ak msye. Pa jam gite, non? Ou la fok top msye? Ah, mon chè, a fè drog sa, son fle yo. Li tout kote koun ya, nan l'ekol, nan universite, menm nan gang yo drog la simaye, e se jen yo ki plis viktim. Se vre, oui, so di ya. Poutan si yo te kounen, sa fè drog sa, se te kote la menman. Ou bien nan prison, ou bien nan simaye. Se sa k fè nou vreman gen intere proteje jen yo konton fle yo kon sa. Se pou sa, konal ap souwete tout jen. Sa ki nan drog, tankou si la ki ta gete ta sou pichon sa, kouraj ak konviksyon pou yo tabat chalbari deye male pandye drog ki kape an kwa devan avni yo. Paske se nou tout, zami, fami, ki pou di non, non a la drog. Goodbye, blooms rose, may you ever grow in our hearts, you are the great... Yo bo,
Te ko di msi dam sa gen jem vi sida nan sel bon. Koman fè an form kon sa amin? Tou ka bo. En lè mwen zan form vwe, ba prive non papa. Pou konsyon pa kapon. Mouche. Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen vi sida? Se tan konen pot maladi konik wè? Tan kou, maladi kè, psik, tansyon. Epi tou, depi moun nan piye pran medikaman, lap mene vi familial, ale l'ekol ak travay normalman wè? Krete, Regine, koman fè kon tout bagay sa yo? Mwen amè dokte wè, krete, ou gen abliye. Epi, moun informe an pil sou sije a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou biye pran medikaman ARV san kanpe. Apre 6 mwa sou tretman, li pa ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kou viris la te disparèt nan san. Oh, disparèt nan san menm, sa vle di, li pa genyen lankon? Li toujou genyen. Men, grasa ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan san levin telman piti, tes ak egzame laboratwa pa menm rive detektil. Men, fòk li toujou pren medikaman ARV chak jou, epi alwe fè tes la chak 1 an. Enfòmasyon se gwo koze. Pou mwen depi moun nan gen sida, la vil fini. Problem manke enfòmasyon sa fè nou fè an pil diskriminasyon vreman. Enfòmè dan de ti moun. Yon ti kras VIH 900 egal 0 transmisyon. Se yon mesaj, Ministè Santé Publique PNLS, grâce ak Sipo Teknik Institut Panos, epi financement pep Amerike a travè pep for ak USAID. Alter Sport, aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Aktualite sportif la Boukounia sou plan internasyonal Indra Frankfurt, ta li rapote mèkwèdi a Séville, la Ligue Europa face au Glasgow Rangers au terme d'un séance de tir au but 5-4-1-1 après prolongation. Joe Haribo te ouvri score là pour Écossais peu avant l'heure de jeu, avant égalisation de Raphaël Boré 10 minutes plus tard. En guise de rappel, le stade Ramon Sanchez Pizjuana Séville, venait mercredi 18 mai, gagnait équipe Eintracht Francfort là qui remportait et finale Europa League là sous Glasgow Rangers 1-1 après prolongation, puis 5 tirs au but à 4 en faveur allemand. Europa Conference League grande finale mercredi 25 mai là Air Albania Stadium là du côté de Tirana en Albanie entre Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas et AS Roma de l'Italie. Et puis Ligue des Champions pour clôturer saison 1 grande finale samedi 28 mai à 3h l'après-midi, dans le stade de France à Saint-Denis, entre Liverpool de l'Angleterre et Real Madrid de l'Espagne. Puis pour nous clôturer, chapitre football, la Fédération américaine, syndicat Jezio, avec syndicat Jezio, qui joignent un accord qui garantit une rémunération en sélection équivalente pour les hommes et pour les femmes. L'accord n'est pas porté seulement sous primio, sous prime compétition, mais également sur le partage des revenus commerciaux qui est identique pour deux sélections. États-Unis, c'est le premier pays qui a adopté mesure ça. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal espoir, amis auditeurs, en cycliste gain italien Alberto Dainese qui a porté au sprint la 11e étape du Tour d'Italie mercredi à Reggio Emilia et signé premier succès italien depuis le début de la course. Dainese, il devançait le Colombien Fernando Gaviria et un autre italien Simone Consomi. En classement général, l'Espagnol Juan Pedro Lopez fut conservé maillot rose leader là. Actualité tennis là. Tournoi de Roland-Garros 2022 qui va le fête en France au 22 mai pour arriver 5 juin. Va le bénéficier d'une couverture télévision exceptionnelle. Plus de 170 chaînes de télévision dans 223 pays va le diffuser. Rencontre. Et puis, il y a une dotation globale là pour édition 2022. Tournoi de Roland-Garros prévu du 22 mai au 5 juin. Il est élevé à 43,6 millions d'euros avec une augmentation significative des primes versées aux joueurs et joueuses éliminés en qualification et dès le premier tour. C'est ça que Fédération Française de Tennis a annoncé. Lauréat avec lauréate tournoi parisien va le toucher au chaque 2,2 millions d'euros contre 1,4 millions en 2021.
Basketball NBA pour nous finir. Jimmy Butler, impérial avec 41 points et une défense retrouvée en seconde période. Permettant aux Heat de Miami de remporter 118-107 ton première victoire aux dépens des Celtics de Boston dans la finale de la conférence Est la mardi soir. Deuxième game, ce jeudi 19 mai à 8h30 p.m. Et puis les Magiques d'Orlando ont gâté par traditionnel loterie draft là, puisque ils ont désigné pour choisir en premier parmi les meilleurs jeunes joueurs de la QV 2022 lors de la cérémonie prévue le 23 juin. Après Orlando, c'est Brandon Tupa à Oklahoma City pour faire choix, puis les Houston Rockets et les Kings de Sacramento. Parmi les espoirs universitaires qui doivent arracher ces franchises, n'a figuré notamment et trois intérieurs, c'est Jabari Smith-Obon, Chet Holmgren Gonzaga et Paolo Banchero-Djouk ou encore Jaden Ivey-Perdue. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui a dominé la qualité sportive sur le plan national football vers le premier match de la Ligue B des Nations de la CONCACAF, c'est le 4-14 juin prochain. Sélectionneur national là, Jean-Jacques Pierre convoqué en liste 23 joueurs, a signalé le retour des anciens comme Johnny Placide, Franck Pierrot, Marcus Parlens et Lionel Désiré. Violette Athletic Club, Walter Arousse de la Jamaïque à 5h. Cibao FC Atletico Vega Real de la République Dominicaine à 8h du soir. C'est affiché demi-finale ce jeudi dans Ligue Club Champion Caraïbio. Cap déroulé à Santiago. Vers la reconstitution de la direction technique nationale, l'Hispano-Argentin Gabriel Calderon Pellegrino au chevet du football haïtien. Basketball 3 contre 3 dans l'occasion fête drapeau avec l'Université A. Et un tournoi qui était déroulé sous un campus Université Kiskeya, le mercredi 18 mai. À l'étranger tennis, tournoi de Roland Garros sorti 22 mai pour le 5 juin. Budget pour participer, c'est 43,6 millions d'euros. Allez, ça, l'Oréal va recevoir 2,2 millions d'euros. Cyclisme, Tour d'Italie, italien Alberto Dainese remporté 11e étape là au sprint. Basketball NBA, finale de conférence. Miami a mené 1-0 sous Boston, deuxième game jeudi soir à 8h30. Traditionnelle loterie de la draft par le 23 juin, c'est Orlando qui a gagné le premier choix, ensuite Oklahoma City. Le bol accord trouvé aux États-Unis pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et puis Europa League, Eintracht Frankfurt champion sous Glasgow Rangers. Almanyo gagné dans la finale 5-4-1 après prolongation. C'est sur notre salle que nous mettons au bout de notre espoir, amis auditeurs. Nous te prenons un peu de plaisir pour nous faire tout comme d'habitude. Merci un peu pour attention. Merci à collaborateur nous, James Toussaint qui était dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon qui a écouté une chanson, un podcast sur Mixcloud, Zeno FM, Tuning, Apple, Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Let me give you what you've been waiting for. Baby, I got so much love to give, and I wanna give it all to you. Close the door, no need to worry no more. Let's bring this day to a pleasant end. Girl, it's me and you. I've waited all day long.
that thought it would be. Me loving you and you loving me. Close the door. Let me rub your back where you say it's all. Come on and get closer, closer, so close to me. Let's get lost in each other. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18. 8-0-3. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et informations. Groupe Média Alternatif. 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Informasyon lan nwi pou la jounen sou Alter Radio 106.1. Informasyon ou nal pi lwen. Citoyen, citoyen nan la Tibonit, nouvo maladi koronaviris la ap mache sou nou. Se doa nou pou l'Etat garanti nou bon jan la soyan pou nou viv bien. Devoa nou, se respekte tout konsey pou nou pa pran maladi koronaviris la. Se responsabilite nou pou nou poteje tèt nou. Poteje tèt nou pou nka proteje fami nou ak kominote nou. Atensyon, pa kapon. Prekosyon, se sel chans. Souteren koronaviris, se touti vis. Sete yon mesaj, otorite lokal ak organizasyon sosyete sivil nan depatman Latibonit ak support proje toujou pifo ansam, yon proje ki jwen bourad l'ajan Union Européenne. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à cette page d'actualité internationale Guatemala City. Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, annonce qu'il ne se rendra pas au sommet des Amériques prévu début juin aux États-Unis après de vives critiques de Washington sur la reconduction dans ce pays de la procureure générale soupçonnée de corruption. La reconduction lundi pour un mandat de 4 ans de Consuelo Porras au poste de procureur général a suscité de vives critiques de la part de Washington qui avait placé la procureure générale en septembre 2021 sur la liste américaine des acteurs corrompus. L'Union européenne a également réagi à cette nomination, disant regretter la décision du chef de l'État guatémaltèque qui suscite l'inquiétude sur l'engagement des autorités de ce pays à combattre la corruption et sauvegarder l'indépendance du pouvoir judiciaire. À Washington, les États-Unis ont rouvert mercredi leur ambassade à Kiev, fermée mi-février avant l'invasion russe en Ukraine, selon ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Les États-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, proche de la frontière polonaise, le 14 février, 10 jours avant le début de l'invasion russe, avant d'évacuer totalement leur personnel
nouvelles du pays. Le président américain Joe Biden a nommé une nouvelle ambassadrice des États-Unis en Ukraine, la diplomate Bridget Brink, qui doit encore être confirmée par un vote du Sénat. Plusieurs pays européens ont déjà rouvert leur ambassade à Kiev. D'autre part, les États-Unis ont affiché